Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Youn Créa. Donc là, je reviens vers vous pour le tirage au sort de mon concours des 1000 abonnés. Donc je vais déjà dire toutes les participantes, mettre les petits tickets dans le petit panier. Et puis avant de tirer au sort, je vous montrerai les deux lots qu'il y a à gagner. Donc un premier lot et un deuxième lot, un peu moins conséquent, mais bon, après, voilà, j'ai essayé de faire donc un gros lot et puis un plus petit. Voilà. Donc, et il y aura, en plus, je vous dirai, il y aura des créations que je vais vous faire. Donc, je vais redire ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc, vous étiez quand même 22 participants. Donc, je suis très contente. Merci à toutes celles qui ont participé. Donc, première participante, Laetitia Canet. Voilà. Donc, Laetitia. Après, Caroline. Numéro 2. Céline Parisot, numéro 3. Jessica, numéro 4. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Numéro 5, Nidine. Numéro 6, Brigitte. Dans l'atelier de Brigitte. Numéro 6. 7, Virginie Hulbert. C'est ça. 8, Valérie Noumet. Myriam, 9, Myriam, début. 10, Sophie Créa. Bon, après, vous me faites confiance. 11, Maryse Doudoune. 12, Roxane. Alors, on est rendu là. Ouais, c'est ça. Alors, 13, Audrey. C'est ça. Ah, je prends les deux en même temps. Donc, Audrey a ouvert sa chaîne. Donc, sa chaîne, si vous voulez aller voir, c'est Scrap Pépette. Voilà. Donc, elle a fait en plus une vidéo où elle montre la PC que je lui ai envoyée en retour. Donc, allez voir. Voilà. Elle vient d'ouvrir sa chaîne. Donc, Audrey, tu es la numéro top 13. Yoël, la numéro 14. Gwen Scrap, 15. Sandrine d'Atelier Cray, 16. Bon, ouais. De toute façon, hop, faut bien que je les mets. Hop, je vais bien les replier parce que j'ai peur qu'on. Voilà, qu'on ne voit pas quand même. Bon, mon fils devait faire le tirage et puis au final, je le ferai. 17, Marie-Noël. Ouais, c'est ça. 18, Christelle et Madeleine Scrap. 19, Nadine. 20, Odilem. 21, Marie. Et 22, Décrispation. Voilà. Donc, je sais que certaines, je ne vous ai pas encore envoyé le. Donc, je pense qu'il y a Gwen Scrap que je n'ai pas envoyé. La PC en retour. Marie-Noël, Christelle et Madeleine, Odilem, Nadine et Décrispation. Mais ça, je le ferai aussi, vous inquiétez pas, ça sera fait. Donc voilà, donc là, vous êtes tous dans le petit panier, on va tirer au sort tout à l'heure. Donc déjà, je vous montre le premier gros lot. Donc, le premier gros lot, il y aura donc une petite pochette comme ça, surprise avec des petites choses dedans. Donc les petites pochettes que ma cousine a fait un tuto, la marmotte tricote Guigui Bernie. Donc là, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai mis des petites choses dedans. Donc il y aura un lot de tampons bois comme ça, avec deux encres. Un lot de ruban organza blanc. Une petite pochette. Comme ça, une petite trousse. Donc après, vous pourrez ranger du scrap ou ce que vous voulez dedans. Un passion et cartes créatifs. Voilà. Des stickers, enfin des lettres comme ça. Donc il y en a parce que j'en avais acheté plein pour faire un bricolage pour
un pull de Noël pour au moment des fêtes de Noël pour donc du coup pour mon mari. Et du coup, on en avait acheté plein. Donc là, j'en ai remis. Voilà, j'ai mis 3 planches. C'est pas complet, mais bon, ça peut toujours servir. Un beau bloc de papier comme ça de chez Teddy. Comme je sais que tout le monde n'a pas Teddy, je me dis c'est sympa. Donc voilà, je l'avais présenté hein, plusieurs fois. Les petits lots de boutons comme ça que j'ai pris, je crois, à Carrefour, je crois. Je sais plus. Voilà. Des petits lots de boutons en bois. Un tampon de Noël comme ça. Parce que je me suis retrouvée, je l'avais déjà. Donc on me l'avait offert, mais je l'avais déjà. Donc, pareil, des dies de chez Action qui étaient sortis il y a un petit moment, ceux-là, je crois. Mais je les ai déjà. Une planche. Que je me suis retrouvée à avoir en double. Thème bébé sur Globeland. Je l'ai pris en partenariat et je crois que je l'avais acheté. Enfin bon, voilà, je m'en rappelais plus. Donc, bah, je dis, c'est pas grave, ça ira pour les abonnés. Un lot de die cut, pareil que j'ai trouvé chez Carrefour. Dans mon rayon, enfin, le rayon loisirs de chez Carrefour. Un lot de petits stickers ah, comment on appelle ça pack. Donc ça je crois que je l'avais pris chez Tiger ouais. Ah non, c'est chez Teddy. Chez Teddy. Ça donc c'est très bien pour mettre sur les derrière des ATC. Donc ça j'avais recommandé une planche. Voilà, pour ma gagnante. Là, c'est une planche de Noël. Voilà. Ensuite, je me suis dit, j'ai recommandé ça pour, voilà, faire les sauts de cire. Un petit, alors ça, c'était ma fille, mais qui s'en est pas servie. Du coup, c'est un scotch un peu, voilà. Voilà. Ouais, un rouleau de scotch, mais qui fait un peu transparent, je sais pas trop. Bon, il est tout neuf, hein. Elle s'en est jamais servie, elle l'avait mis de côté. Je dis bon, allez, je récupère, moi j'en ai un. Ça, je l'ai vu, il est encore en vente chez Stokomani. Un petit lot de masking tape thème feuillage. Donc ça, je crois que je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris à Carrefour, il me semble. Un petit sachet de breloque. Un tampon bois. Voilà. Bon, je sais même pas c'est de quelle marque. Voilà, un petit tampon bois comme ça. Voilà, donc vous pouvez faire des fonds, ce que vous voulez avec. Et puis, le lot de pochoirs fleurs comme ça de chez Action. Et puis, une petite... voilà, il y aura des petites bricoles. J'avais mis un autre truc. Bon, ça, je remettrai. Une petite découpe en bois bonheur. Et puis là, c'est un petit comment bouton un peu comment on appelle ça? Trombone. Enfin non, c'est pas trombone. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref. Attache parisienne. Voilà. Donc voilà pour le premier lot. Et en plus, je mettrai sûrement 2 créations avec et une petite carte, je pense. Voilà. Donc ça, c'est le premier lot. Alors, je remets vite fait. Je présente le deuxième lot. Je ne voudrais pas que la vidéo non plus dure trop longtemps. Ah oui, j'oublie ça. Et la pochette. Voilà. Et je vais vous présenter le deuxième lot. Alors, dans le deuxième lot, il y a, comme dans le premier, il y aura la petite trousse. Ensuite, pour faire, alors je vais bien les renettoyer, mais ils fonctionnent. Vous savez, c'est pour faire les petites fleurs. Voilà. Comme j'ai commandé ceux de ces craftelier, bon, ceux-là, j'en ai plus trop l'utilité. Donc j'ai dit, allez, ça va être pour offrir à mes abonnés. Un tampon
Parce que pareil, je crois que je l'ai eu en double. Petit renard en bois comme ça. Ou je crois. Ouais, je sais plus. Ou je crois que c'est ma fille qui l'avait puis qui en veut plus. Un petit ruban de strass comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Diamant de tape, ils disent. Bon, ça, je pense que c'était chez Action. Une petite pochette, pareil, surprise. Un petit bonheur en bois. Donc là, des petits stickers thème chien. Des petites découpes comme ça en bois. Donc je pense que ça venait de chez Action. Des petits, comment ça s'appelle ça? Stickers sur transfert. Voilà. Donc là, un lot de petites étiquettes. Donc je crois qu'il y en a différentes. J'ai refait un petit lot. Donc vous verrez, il y aura la surprise. Un petit. Donc, un dies de chez Action. Un petit planner stickers comme ça. Voilà. Donc j'en ai utilisé quelques-uns, mais pas beaucoup. Il est pratiquement neuf. Un dies, le dies tortue comme ça, parce que je me suis retrouvée à l'avoir déjà. On me l'a offert et je l'avais déjà. Et un tampon étiquette. Donc j'avais fait ma pochette et puis je me dis, bon, j'en ai plein et je crois que je l'ai peut-être en... Je crois que je l'avais déjà. Donc c'est pour ça que je l'avais mis en double. Voilà. Je me suis rendu compte que j'avais fait deux pochettes avec le même tampon. Donc voilà. Et alors un beau tampon aussi en bois de la marque Toga. Voilà. Et un petit tampon bois avec le petit cadeau. Donc ça, c'était le petit... j'étais chez Action à un moment, je crois. Ils étaient chez Action. Donc voilà pour le deuxième lot. Et pareil, il y aura deux créations et une carte avec. Donc, on va tirer au sort. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par le premier lot ou le deuxième? On va faire... on va garder le suspense. On va commencer par... Non, on va faire pour le premier lot, c'est mieux. Donc, pour le premier lot, ah, ça j'ai oublié de mettre. C'est dans le deuxième lot. Voilà. Donc, dans le premier lot, alors on va tirer au sort le premier lot. Je mélange. Tadam, tadam. Attention. Et la gagnante est Myriam Début pour le premier lot. Donc, c'est Myriam qui a gagné. Alors, la numéro 9, Myriam. Donc, Myriam, je te laisserai m'envoyer ton adresse, comme je disais, ton adresse Mondial Relais. J'espère que tu en auras une. Bon, après, tant pis. Donc, Myriam, début. Donc, gagnante, on va mettre gagnante numéro 1, parce qu'après, je vais plus m'en rappeler. Bon, après, il suffit que je regarde la vidéo. Hein. Gagnante numéro 1. Donc, tu as gagné le premier lot. Et on va tirer la deuxième. Je regarde pas. Je prends au hasard. Allez, hop. Et la deuxième, c'est Gwen Scrap. Donc, Gwen Scrap, tu es la numéro 15 et tu as gagné le deuxième lot. Donc, deuxième lot. Et puis là, je mets deuxième lot. Donc, comme j'ai redit, vous m'envoyez à toutes les deux votre adresse, bah tout, votre adresse postale, enfin, ou au pire, je sais pas si j'ai vos mails. Bon, le mieux, c'est que vous m'envoyez à moi un mail. Si je vois que d'ici quelques temps, vous m'avez... Alors, soyez pas... voilà, je vais prendre mon temps à faire mes créations. Je vous enverrai un mail parce que je pense envoyer ça que début, enfin, au mois de juillet. Après, je voudrais être sûre que vous soyez chez vous parce que comme il y a les vacances, comme j'envoie en Mondial Relais, je sais qu'il faut un... Il laisse les colis un certain temps. Donc, voilà, on conviendra ensemble d'une... voilà, soit envoyé en juillet, soit en août. Voilà. Mais soyez sûre que vous recevrez votre lot. Voilà. Donc, il suffit, là, je mettrai bah, mes petites créations que je vais rajouter. Et puis, voilà. Et puis, bah, merci à toutes les autres participantes. C'est vrai que j'aurais aimé vous faire toutes gagner, mais c'est pas possible. Donc, merci à toutes.
Et puis voilà, bravo aux deux gagnantes, donc à Myriam et à Gwen Scrap. Et puis bah, j'espère que ces petits lots vous feront plaisir. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore merci à toutes les nouvelles abonnées qui arrivent. Voilà, je suis contente. Demain, je pense, je vais faire un tout petit tour à Action. Donc, mon nouvelle action, enfin, c'est pas une nouvelle action, c'est l'ancien. Enfin, ils ont refait le magasin. Donc, du coup, bah, il est beau. Mais le rayon loisirs, bah, ils l'ont diminué. Donc, bref, donc, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver dans les nouveautés, mais j'ai retrouvé des petites choses. Bon, du coup, c'était pas mal, la carte à la poche au fait. Enfin, voilà. Du coup, j'ai. Voilà, mais ça m'a fait faire un petit tour. J'avais le temps, là, aujourd'hui, d'aller faire un petit tour après le boulot. J'étais avec celui où je peux aller en transport. Parce que j'en ai un à côté de la maison où j'avais été en voiture. Mais c'est pareil, enfin, voilà, les rayons scrap. J'ai l'impression que certains actions, ils le réduisent, quoi. Donc, bon, c'est pas grave. On achètera moins. Donc voilà, je vous dis, j'arrête de blablater. Je vous dis à la prochaine fois, donc sûrement demain pour le mini haul action. Et puis encore bravo aux gagnantes. Et puis je vous dis, scrapez bien. Bye bye.